Salut à vous les Vipers et non-Vipers et fumeurs, merci encore une fois de plus d'être sur ma chaîne, merci beaucoup, n'oubliez pas qu'à chaque coup que vous verrez une vidéo, n'oubliez pas d'aller faire un tour en dessous et en bas de la vidéo, tout en part, enfin en dessous mon cadre là, tac, vous cliquez, vous avez un descriptif là, il y a toujours des liens, donc vous pouvez acheter les jus, mes commentaires éventuellement, etc. Et si vous descendez tout en bas, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez les commentaires des gens, donc des gens qui postent, qui disent ce qu'ils en pensent, etc. C'est parce que voilà, tout le monde ne sait pas. C'est comme ça se passe sur YouTube. Donc vous pouvez répondre, laisser un message ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui ne seraient pas abonnés, il suffit tout simplement de cliquer sur abonnement et après vous verrez une petite cloche. Et c'est à vous de choisir si vous voulez recevoir des notifications régulièrement ou quoi que ce soit. Voilà, donc tenez juste à vous remercier au moins d'être fidèle à ma chaîne. Que ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'un jus qui s'appelle le Butter Pecan. Ah, je lis parce que Butter Pecan de Clout Off. Compagnie du moins Crémerie, 10 ml, moi j'y bois off, moi je brave, on s'en fiche, ça passera. Ah, je bouge, voilà, parce que j'ai deux écrans, et voilà. Voilà, donc c'est un produit élaboré au Canada et fabriqué en France. C'est quoi le butter pécan? Alors vous avez la fiole qui est comme ça, TPD Rally, bien sûr. Hop, ma petite chienne qui vient me dire bonjour, on m'a fait peur. Alors, vous avez une fiole qui est comme ça de 10 ml pour 6,90. Vous recevez ça dans un petit packaging avec une petite notice. Ouais, elle est en train de me réclamer, en train de me faire comprendre qu'elle veut sortir. Voilà. J'espère que vous aimez les animaux parce que moi, j'adore les animaux. Voilà. Donc, le butter pécan, c'est quoi? C'est un œuf liquide aux notes de crème glacée, aux noix de pécan grillées et de vanille et de caramel crémeux. Donc on va goûter ça sur. Alors c'est du 50-50 VGPG pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas un full VG, 50-50 VGPG. Vous pouvez l'avoir en 0, 3, 6 et 12 mg de nicotine et ça va pas plus haut, malheureusement. Donc personnellement, je suis en 3 mg de nicotine et ça m'a été envoyé par Flavorite. Donc ça sent tout de suite la noix de pécan, le côté grillé, on le sent tout de suite. On sent tout de suite la noix de pécan. Une bonne noix de pécan, c'est sympa. Pas mal du tout. Un petit côté vanillé, crémeux, ouais, même vanillé, je le sens. Hein. Je sens bien cette petite vanille, tiens. Alors ça arrondit tout, hein, la crème. Hein. On sent bien que non, c'est pas mal fait. Là, il est pas mal tapé dedans, hein. Alors le côté, pardon, le côté notre crème glacée, je pense que bon, la crème glacée, c'est un peu, quand on regarde l'image, c'est un peu le côté la crème glacée, quoi, c'est histoire de montrer une belle petite image. Mais c'est vrai qu'il y a une crème et c'est le côté surtout caramel qui ressort bien avec cette noix de pécan. Donc si vous aimez, de toute façon, c'est une très bonne association, on va dire. Hein. Trèfle à coups à Mbappé. Sans problème. D'ailleurs, ceux qui commencent dans la BAP, un peu intéressant, ne vous arrêtez pas, surtout si vous avez commencé par du tabac ou quoi que ce soit, pourquoi pas, hein, mais si vous voulez, vous vous dites, oh, je peux pas lâcher le tabac parce que ou quoi que ce soit, essayez au moins des jus comme ça parce que ça vous permettra de goûter d'autres choses et vous rendrez compte que le goût de tabac, de toute façon, ils font des tabacs magnifiques, mais avec de la crème, avec des choses comme ça dedans, mais. Ce genre de jus peut très bien vous plaire par contre. Ouais, une très bonne noix de pécan. Crémeux. Alors je dirais le côté crème qui arrondit bien le tout. Crémeux, impeccable. Bon, moi je peux pas dire grand chose si c'était qu'il est pas mal du tout. Bravo, c'est un bon jus. Ça le fait, il n'y a pas de problème. 6,90. Prix du marché. Plus ou moins. Hein. Bon, c'est plutôt 5,90 en règle générale ou 6. Mais c'est dans les prix, mais bon, ils sont pas mal. Je vous dis à bientôt pour la prochaine revue. J'en passerai une de temps en temps avec le. Je sais pas si j'en ai parlé du Pro Coton. Là, actuellement, je vape avec. Donc, je fais des tests. Et si jamais c'était pas terrible comme coton, déjà, j'aurais pas continué à vaper dessus et vous faire un retour sur un juice. Hein. Voilà, donc ça, c'est bon à savoir. N'hésitez pas à liker. À mettre des pouces surtout, c'est important en haut ou en bas, mais c'est important d'en avoir.
C'est comme ça sur YouTube, malheureusement, il y a plein de critères. Il faut des pouces, il faut des commentaires, il faut des vues, il faut plein de choses. Je ne fais pas dans cette intention-là, mais c'est comme ça qu'on existe et qu'on perdure dans le domaine de YouTube. Hein, d'accord? C'est important. Puis un de ces quatre, je vais faire un petit vlog pour parler de moi, parce que pour plein de choses. Voilà. Sur ce, abonnez-vous, à bientôt et surtout reprenez pas la clope. Salut, bye, ciao.